Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien et on se retrouve définitivement pour ma vidéo préférée, les réceptions PCA de cartes, non pas 2, non pas 3, mais 4 boîtiers, 15 cartes mesdames et messieurs, du très très lourd. Ici vous pouvez retrouver mon premier Mewkoro Koro, voilà, qui avait été découvert dans ma première réception PCA, et dans ces boîtiers il y en a un autre les gars, donc est-ce qu'on pourra faire un 8 ou peut-être mieux qu'un 8, je sais pas, on va voir. Alors, posez-moi toutes vos questions que vous souhaitez sur PCA, j'y répondrai. Je ne suis pas en partenariat avec PCA, j'aimerais l'être, je vous le dis clairement. Si PCA passe par là, j'aimerais avoir un partenariat PCA, j'aimerais aussi avoir un code promo, pouvoir faire en sorte que vous ayez une petite réduction et que moi aussi, j'ai un petit cashback. Ça me permettrait d'amortir mes frais d'envoi chez PCA, étant donné que là, par exemple, je compte envoyer 50 cartes, pas moins de 50 cartes chez PCA. Et si vous souhaitez découvrir l'intégralité des cartes que je vais envoyer, vous me le dites et j'en ferai une vidéo. Alors, faut savoir que je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, les potes, concernant PCA. En revanche, je ne travaille pas là-bas. Donc ne me dites pas, David, j'ai envoyé mes cartes le 22 de tel mois. Je vais les recevoir quel jour, à quelle heure? Je n'en sais rien. Très clairement, je n'en sais rien. Je peux pas vous le dire. Il y a des délais qui sont plus ou moins long, selon ce qui est long pour vous. Je peux vous dire que PCA, ça bosse quand même plutôt pas mal en ce moment. Je crois que c'est 30 000 cartes au moins, un truc comme ça. Donc voilà, je crois qu'ils veulent embaucher encore 5 ou 6 personnes, des gradeurs. Donc voilà. Donc voilà, faites-vous votre opinion par vous-même. Moi, c'est un service que j'affectionne particulièrement. Avant, j'étais pas un grand fan de la gradation de cartes. Ça a changé parce que bah, j'aime beaucoup collectionner les cartes et finalement les avoir scellées comme ça avec la référence et tout. Je trouve ça quand même super sympathique. Bon, les gars, dans ces boîtiers, il y a du Dracaufeu, il y a du Mew, il y a du lourd, il y a du Suicune. Enfin, ouais, bref. Écoutez, on part. Premier boîtier, il est genre 13h30. Je sors du sport, j'ai pas mangé, je suis dégueulasse. Gros like des familles, les gars. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, c'est vraiment ce que je préfère. Je vous le dis direct. Ok, alors attendez, on va essayer de pas se spoil. Sur... Ok, nickel. Okay. Donc là, tu vois, c'est quand même le kiff. Petite présentation de la carte, petit feuillet qui va bien. Et là, tu prends ta carte, on cache la note. Ok, le Suicune Jap, les gars. Le Suicune Jap, une très belle carte. Hein. Donc, c'est le fameux Suicune Shiny de S6A ou de Destinée Radieuse, à vous de voir. 9,5 mythes, mesdames et messieurs. Let's go. Première carte, ça fait plaisir. Mec, 9,5, je crois que c'est ma première carte en 9,5 que je reçois. J'ai pas eu de 9,5 jusque-là. Donc, je suis très, très, très content. Le Suicune Jap, c'est moi qui l'ai ouvert en plus, tu vois. C'est pas une carte que j'ai achetée. Je l'ai ouvert moi-même dans un booster S6A. C'est pas dispo sur la chaîne l'ouverture parce que je les avais ouverts hors vidéo. Pour ça, des fois, il y a des gens qui me disent ah, « David, t'as quand même eu de la chance avec les Dracaufeu. » Oui, mais j'ai ouvert tellement de boosters que si vous voulez, bon, voilà. Donc ça... Ça, c'est très, très cool. Et ça fait très plaisir. On va pas se mentir. Voilà. La première carte PCA, Suicune 9.5. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Bon, j'espère avoir un 10 dans cette ouverture. Notamment les Dracaufeu promo. Le petit dresseur légendary que j'avais envoyé. Alors, attendez. Je vais faire en sorte... Voilà, d'avoir un focus un petit peu plus net. Très belle carte. Je vous avoue que j'avais envie d'avoir une carte Rainbow sous boîtier. Je l'ai donc envoyée. Est-ce que vous êtes prêts? Le 9,5 qui tombe, mesdames et messieurs. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Elle est très belle. Et là, je suis très, très, très content. De S3A, sublime, sublime cette ouverture-là. J'en suis très, très fier de cette carte-là. Ouh là 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 là. Eh, que de belles cartes, les gars. On continue. On continue. On va essayer de ne pas spoiler, tu vois. Le Eternatus. Alors, le Eternatus, dans mes souvenirs, il n'était pas mint 10, tu vois. Il était 9,5. Je voulais, pareil, avoir une carte. Une carte Gold Black Secret. Je voulais l'avoir absolument sous boîtier. Et comme je l'ai ouvert avec vous sur la chaîne, je me suis dit, c'est l'occasion. Est-ce que vous êtes prêts? Le 9,5. On est bien dans cette vidéo, mon frérot. On tape que du 9,5. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, David. 9,5, c'est pas ouf. Moi je suis un mec 9,5 quoi, frère, tu vois, 9,5, c'est pas le 10, mais c'est 9,5 quand même, tu vois. Donc là, je suis très content. Je vous avoue que la carte sous boîtier, mon gars, elle claque de ouf.
Franchement, là, PCA vont me régaler, franchement. Ok, on a des belles cartes. Attention, dernière carte, c'est une jappe. Ok, ah, c'est un drac au feu, mesdames et messieurs. C'est un drac au feu promotionnel. Il faut savoir que j'en ai envoyé 7. Sur les 7. 6 ou 7. Sur les 7, mon objectif est de tirer au moins un 10+, voire 2 10. Vous êtes prêts? Le 9,5, mesdames et messieurs. Pour le moment, c'est pas le 10. Que du lourd, 4 cartes, 4 9,5, mesdames et messieurs. Je suis très content, là. Franchement, non, du très lourd. J'ai envoyé pas mal de Dracofeu promo comme ça, parce que je les avais eu à très bon prix. Et là, pour le coup, ça, c'était plus en mode investissement. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est des cartes qui pourront prendre de la valeur plus tard. Donc là, tu vois, il y a des cartes. Le Suicune, ça va être collection. Je pense que ces deux-là, je vais les garder collection. Donc ça, tu vois, c'est des cartes perso. Et pour le coup, là, je dois être honnête, tu vois. Moi aussi, je fais de l'achat, revente, de l'investissement, de la collection. Je fais de tout, je tape dans tout, tu vois, je touche à tout. J'essaie en tout cas, et je trouve que c'est pas mal. Donc là, je suis très content. Ok, vous êtes prêts? Ok. C'est cool comme vidéo, hein, les frères. C'est cool. Hein. Oh, bah, vous êtes prêts? Dracofeu. Mesdames et messieurs, un autre Dracofeu. Allez, on traîne pas. Peut-être le 10. Le 9! Le 9! C'est la sanction! Non, c'est normal. Et je peux pas avoir que des 10. Après, elles étaient toutes, pas toutes nickel et j'ai tout envoyé, tu vois. J'en avais plusieurs. Donc, pour le coup, 9, c'est sûrement, tu vois, là, il y a deux petits points blancs. Là, j'ai deux mini points blancs. Donc, c'est mérité, hein. Bonne gradation. Alors, moi, je fais pas partie des mecs qui remettront en doute, si vous voulez, la gradation de la carte, tu vois. Si la carte, elle a pris telle note, elle a pris telle note, tu vois. Je remets pas en doute. Ok, donc 3, 9 et demi, c'est pas mal. Ok, je continue. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les deux. Je vais en mettre une là et je vais prendre celle-là. Ok, toujours Dracofeu. 10, 10 plus. 9 et demi mythe. Oh là 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 là. Ça commence à être chaud. Je vais peut-être pas le topper, mon 10, frérot. Oh là 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 là. Alors, si j'ai un 10, il est pour moi. Hein, je vous le dis direct. Si j'ai un 10, 10 et demi, il est pour moi. Il n'y a pas d'échange de trade de vente. Si j'ai un 10, 10 et demi, c'est collection, tu vois. Ça, je peux pas l'échanger. Oh là là. Trop beau. Bon, 9 et demi. Après, c'est très très cool, 9 et demi. Hein. Alors, ça, c'est chaud. Et Cardenter, s'il passe par là, j'ai regardé sa vidéo réception de PCA, il vous le dira, c'est très très chaud d'avoir des Amazing en bonne note. Alors, en Jap, c'est moins compliqué qu'en FR, mais en FR, j'en ai ouvert tellement, et les cartes, elles étaient toujours dégueulasses. Silvering, point blanc, enfin, en vrai, si vous chopez une Amazing rare, et je vous parle pas d'Yvetal, de Reshiram, je vous parle bien de Celebi, Raikou, Zamazenta, il y avait qui d'autre? Il y avait Rikweza, il y avait Jirachi? Non. Peut-être. Si vous chopez un 10, pooh, les gars, vous allez vous mettre bien parce que... Prêt? 9,5! Lourd, mon frérot! Le Raikou 9,5, très propre. Hein, très propre en Amazing. Je sais pas si je garderai, ça pour être honnête, mais 9,5, c'est propre. On n'a pas encore chopé le Mew et on n'a pas encore chopé de 10. Frérot, j'ai pas de 10 hein, pour le moment. Ok. Attends. Ouais, c'est bon. Les cartes sont de dos. Ah, le 10, David, le 10 là. Ça, c'était chaud, frère. Alors là, si je top un 8, je suis content, en vrai. Mewtwo Armure. 6! Oh, 6, mon frérot! Ah non, mais elle est full. Non, 6, ah ouais. Ah ouais, 6, c'est dur. 6, c'est très, très dur. Ah ouais, là, je vous avoue que le 6, il me fait de la peine. Oh, les frérots, vous m'avez fait de la peine. Bah, s'il a été noté 6, c'est qu'il doit avoir plein de micro-rayures. Ouais, 6, c'est chelou, quand même. Je sais pas pourquoi elle a pris un 6, en vrai. Bon. Peut-être ils ont confondu les traits là par des rayures, non? Alors que c'est la carte, c'est l'artwork, hein. Ou alors c'est moi qui suis teubé. Non, c'est l'artwork. Hein. Étonnant, tu vois. Étonnant. Ah, attends. Elle était une maxi rayure là. Ouais, je sais. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est 6. Hein. Voilà. On aura beau se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que c'est 6. Bon, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, les gars. Chope la prochaine. Ok, Dracofeu. Bon, allez, mon 10 là. 9,5, frérot.
Frérot, lâche-moi le 10. Qu'est-ce que tu me fais là? Lâche-moi le 10 ou le 10 plus là. Oh là 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 là. Ok, je la mets là. Pour le moment, je suis à 3 dracs, les gars. 3 dracs, il y a 3 9 et demi et 1 9. Oh, putain, il me le faut en 10, frère. Ok, là, c'est les deux dracs au feu qui arrivent. Vous êtes prêts ou pas? 9 9, les gars, 9. Il en reste 1, 2, 3, 1, 2. Il en reste peut-être 1 ou 2, je sais plus. Oh, putain, frère. Ok, attends, vas-y, on se fait un kiff, regarde là. C'est un 9. Oh là là, frère, je vais pas avoir de 10. Frérot, arrêtez-moi ce délire. Frérot, si je prends pas un 10, je suis fumeuse, frère. Frérot, si je prends pas un 10, je pleure. Attends, donc du coup, il me reste un boîtier. Donc logiquement, il reste le Mew Coro Coro. Imagine, il n'y a pas mon Mew Coro Coro. Il reste le Mew Coro Coro. Il reste quoi d'autre? Un Draco Feu, peut-être, je suis pas sûr. Et il doit peut-être rester une autre carte. On va voir. Après, le boîtier, il a l'air plein, tu vois. Ok, c'est de dos, nickel. Ouais, il reste au moins 3 cartes. Ouais, c'est ça, il reste 3 cartes. Alors, attends. Il reste mes Pikachu, frérot, j'avais oublié. Il reste mes Pikachu de la box Kana. La box Kana qui est là et qui est encore. Là, le 10, en vrai. Oh, 9 et demi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je vois un 10, tu vois. Frérot, j'ai pas eu un 10, t'imagines. C'est que des cartes qui sont neuves. Hein. Après, le 9 et demi, c'est déjà très lourd. Mais j'ai pas eu un 10, tu vois. Je pleure un peu. Après, s'ils me mettent mon Mew Coro Coro 9, je pleure pas. Je vous le dis direct. C'est dommage qu'il n'y ait pas 8,5 d'ailleurs. Il n'y a pas 8,5. Hein. Franchement, c'est propre. C'est propre. C'est propre. C'est propre. C'est propre. Très, très propre. Très, très content. Très content. Je vais pas vous mentir. D'accord. Alors, attends. Il me reste 3 boîtiers. Ok, on va. Ok, c'est mint. C'est mint. Les gars, c'est mint. Attends, je vous fais un focus encore. 9,5. Oh, après, franchement, je suis servi. Hein. 9,5, c'est propre, mais je pioche pas le 10, quoi. Oh là 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 là, les gars. 9,5. Donc, 2 Mew, voilà. Petit bisou à petite pensée pour Valouz qui adore les Pikachu. 2,9,5, le Pokémon Center Kanazawa. J'ai du mal à le dire. Bon, après, je suis très content. Hein. 2,9,5 sur ces cartes-là. C'est sublime, hein, ça. Pour le moment, ça partira en collection. En vrai, je fais trop d'achats et tout, je vous jure, les gars, mais... En vrai, à chaque fois, j'achète un truc, je me dis, ça, peut-être, je pourrais le revendre, ça, peut-être non. Frère, à chaque fois, j'ai envie de tout garder, frérot, c'est l'enfer. Oh là là, elle est belle, quand même. 9,5. Bon, les gars, alors, attendez, je vais pas vous mytho. Là, je sais que c'est le Mew, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Tu vois, voilà, le Mew, je le mets là. Le Mew, je vous dirai, attendez. Oh, putain. J'ai pas topé le 10, frérot, j'ai 4,9,5. Comment c'est possible, frère? Comment c'est possible de faire 4,9,5, quoi? Ah ouais, frérot, va falloir que j'en rachète et que je les renvoie, tu vois. Ah ouais, 4,9,5. 4,9,5, s'il te plaît, quoi. Oh, je suis fou. Ou alors, j'échangerai 2,9,5 contre un 10, à la limite. Tu sais, les mecs font des affaires, on dirait un gamin, quoi. Du coup, bon, je suis très content, tu vois. Je suis très content. J'ai pas eu une seule carte de 10, c'est ma petite déception de cette ouverture. Après, que les deux Pikachu soient 9,5, c'est quand même trop cool. Donc bon, c'est quoi, frérot? C'est le moment qu'on attend tous. Tu vois, donc ça, c'est mon premier Mew Coro Coro acheté chez Cardotaku. Ça, c'est mon deuxième Mew Coro Coro acheté chez Cardotaku. C'est acheté comme occasion, c'est-à-dire que c'est pas une carte qui est neuve, qui est sortie de sachet. Pour rappel, pour la petite histoire, le Mew Coro Coro est une carte qu'on pouvait trouver dans un bouquin qui s'appelle le Coro Coro, qui est vendu au Japon. Et c'était en 2001, si je vous dis pas de bêtises, 2000 ou 2001. Donc vous payez ça à l'époque 3 fois rien. Et dedans, vous aviez cette petite carte qui était scellée dans un carton que vous ouvriez et vous obteniez le Mew Coro Coro. Donc voilà, cette carte, elle est sublime. C'est ma carte préférée, ça fait partie de mon top 3 de mes cartes favorites. Je la kiffe, je la vends pas, je l'échange pas. Voilà. Elle est 8. J'espère sincèrement que celle-ci sera 8 aussi. Pas moins. Si elle est 7, ça sera une très belle note. Si elle est 9, ce serait incroyable. On va regarder ça ensemble. On va découvrir la note. Écoutez les amis, c'est parti. 7, ce serait incroyable. 8, ce serait mérité.
9, ce serait ouf. Et c'est un 7, mesdames et messieurs. C'est un 7 en excellent état. Le Myukuro qui tombe, franchement, quelle collection, les amis. Un Myukurokoro en 7, un Myukurokoro en 8. Je suis très content. Bon, j'aurais aimé avoir le 8, tu vois, mais c'est comme ça. C'est la notation. Ça peut paraître sévère, mais c'est souvent juste. On a tendance à vouloir que nos cartes, forcément, soient super bien notées. Après, voilà, déjà, j'ai juste la chance de posséder deux Myukurokoro, tu vois, un en 7, un en 8, c'est de très belles cartes. Je suis très content, donc c'est juste magnifique. Quelle réception, les amis, et tant de cartes pour ma collection, c'est juste incroyable. Regardez-moi ces beautés, ces boîtiers qui sont sublimes, les gars, j'ai récupéré tant de cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très clairement, pour moi, ça fait partie de mes vidéos préférées. Dans mon colis, j'ai bien sûr récupéré tous mes sleeves et tous mes top loaders. Donc ça, c'est cool parce que c'est la pénurie. Petite déception sur le Mewtwo. Je comprends pas trop la note, mais bon, j'ai envie de dire, c'est qu'elle doit avoir des défauts, la carte, et que moi, je les ai pas vus. Peut-être au niveau de l'impression, je sais pas. Ce qui partira à l'échange de sur, ce sont les 3 Dracaufeu en 9. Ils partiront sur les groupes Facebook à la vente ou à l'échange. En termes de prix, je sais pas. Parce que de toute façon, je n'ai pas encore regardé les prix, je m'en tapais un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'après, j'ai des 9,5, donc les 9 pour la collecte, voilà. Donc ça, ce sont les 4 cartes qui partiront sur échange, vente. Et ça, pour le moment, je vais garder mes 2 Pikachu. Les 2 Mew, je garde aussi en collection, ça c'est sûr. Eternatus, je l'ai ouvert sur la chaîne avec vous, donc petite valeur sentimentale tout de même, au-delà de sa valeur de carte. Ce petit dresseur, je l'ai envoyé pour le fun, mais je vous avoue que je trouve que ça a du style, hein, sous boîtier. Une carte rainbow, donc j'en enverrai peut-être d'autres. Le Suicune, il est magnifique et je l'ai ouvert moi-même, donc je compte le garder pour le moment, quoi qu'il arrive. Et ensuite, les Dracaufeu, bah écoutez, j'en ai 4, donc je garderai pas 4 Dracaufeu, tu vois, 9,5. J'essaierai peut-être de trouver un 10, on va voir. Et le Raikou, peut-être pour le coup, le Raikou, c'est cool, mais peut-être qu'il partira à l'échange, voilà. Voilà, donc une très belle réception de chez PCA, une vidéo exaltante. Et écoutez, maintenant, place à mon prochain envoi. Et j'espère pouvoir vous faire la réception le plus rapidement possible. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui prendront le temps de la liker et pourquoi pas de la commenter. On se dit à très bientôt. C'était David K pour les copains, pour ma chaîne YouTube. Peace.